Bonjour et bienvenue pour votre séance d'aujourd'hui. Nous allons travailler sur trois exercices full body de manière à avoir un exo pour les membres inférieurs sous forme de squat. Deuxième exo, burpees pour amener du cardio. Troisième exo, pompe pour travailler sur le haut du corps histoire d'avoir quelque chose de complet. Trois exos, quand c'est terminé, boum, vous changez de cycle pour travailler sur un circuit abdos en l'enchaînant. On fera un circuit 3 plus un autre et on recommence le tout. 6 cycles en tout. Est-ce que vous êtes OK là-dessus? Pas besoin de matériel, votre bouteille d'eau pas loin, votre petit espace pour être tranquille et ne gêner personne. Et ma foi, si vous êtes motivé, en forme et là, eh bien, on s'y met. En position, je nous lance le chrono. En place dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour les squats. Le mouvement squat, vous le gérez comme vous voulez. Si vous voulez faire des petites flexions en quart de squat, vous pouvez. Demi-squat, vous pouvez. Squat complet, c'est encore mieux. Le poids du corps calé sur les talons, les genoux vers l'extérieur, qui ne dépassent pas des orteils. Encore, il nous reste 10 secondes. Jusqu'au bout, avec la respiration, vous pouvez inspirer sur la descente et souffler sur la remontée. Jusqu'au bout, à votre rythme. Yes! 10 secondes de récup avant d'enchaîner les burpees. Burpees, l'action de s'allonger, de vous relever et de sauter comme vous voulez. Vous vous allongez complètement, poitrine, pec au sol. Vous vous relevez comme vous avez envie. Vous marquez le saut, ça fait déjà un. Maintenant, version plus rapide, c'est enchaîner, remonter, sauter et le faire jusqu'au bout. 15 secondes. Encore, encore, encore. 8, 9, 10. Ok. Dernier exo, position pompe. Sur les pieds, sur les mains, ou alors bien sur les genoux. Aucun souci pour ça. C'est parti, 30 secondes de pompe. Yes! Excellent! Premier cycle terminé. Ça enchaîne avec un autre cycle de 3 exercices. Pour ça, vous vous placez sur le dos, le bas du dos plaqué au sol, les mains derrière la tête pour enchaîner sur les abdos dans l'axe. Les petits abdos, tout facile. D'accord? On va les adapter de manière à ce qu'il n'y ait pas de grosse pression au niveau du plancher pelvien. Les mains derrière la tête, plaquez le bas du dos contre le sol, rentrez le ventre, aspirez le nombril. Périnée engagée, boum, vous partez sur des petits abdos en contrôle. Pas dans l'idée de vous tasser, de repousser vers l'avant, mais plutôt de vous agrandir. Soufflez à chaque montée. 10 secondes. Quatre, trois, deux, un. Ok, stop. La tête posée par terre, les bras le long du corps. Pourquoi pas les mains sur les fessiers pour soutenir le bas du dos parce que vous allez partir ensuite sur des battements de jambes en alternant. Devant, devant, devant. La tête posée par terre si vous voulez. C'est quand même mieux de décoller à condition que vous n'ayez pas de douleur au niveau des cervicales. Pourquoi pas une main derrière la tête? Pourquoi les deux? Pourquoi pas les deux si tout va bien? Respiration régulière. Pourquoi pas inspirer sur une jambe, souffler sur l'autre? Inspirez sur deux, soufflez sur deux. À votre guise, du moment où c'est fluide. Yes. Relâchez. Le suivant, ça va être un mouvement de gainage. On travaille en isométrie de manière à bloquer, stabiliser. Pas gainage classique sous forme de planche. Sous forme de U. Vous tendez les jambes, vous tendez les bras. Montons poitrine, bas du dos plaqué, vous restez. Vous contractez fort. Vous tenez la position. Pourquoi pas les mains derrière la tête ou une si vous avez une détention dans les cervicales, d'accord? 15 secondes. Jusqu'au bout, tenez, résistez. 10. Ça tremblote, c'est normal. Bas du dos plaqué, sans cambrer. Si ça cambre, pourquoi pas ramener les genoux à la poitrine, d'accord? Mais contractez fort. Sentez que ça picote et que ça fait son effet.
Excellent. Super, on a fait deux cycles, il nous en reste quatre. Nous reprenons avec les premiers, vous vous rappelez, c'est debout, squat, burpees et pompe. Full body, ensuite on repasse aux abdos pour la récup active. Allez, squat. Dans 4, 3, 2, 1, c'est parti. Super, maintenant vous connaissez les mouvements, vous pouvez accélérer. Allez un peu plus vite, à condition que ce soit propre. Redressez complètement, pas à moitié, pour de vrai. En engageant fort les fessiers vers l'avant, soutenez que tout puisse travailler. Nous sommes que sur des mouvements complets. Jusqu'au bout, 5, 4, 3, 2, 1, bien. La suite c'est les burpees. L'action de s'allonger, de se relever, de sauter. C'est parti, vous allongez, vous relevez, vous sautez, vous enchaînez. Jusqu'au bout, à votre rythme. Le but, c'est pas de faire comme le coach, c'est de donner votre maximum. On n'a pas le même curseur, personne entre vous, entre nous. Donnez votre max, sans vous faire mal, sans vous blesser, en y allant au fur et à mesure, tranquille. Yeah! Position pompe. En place. Ah, elles vont piquer ça. Fais le squat. Encore essoufflé, c'est parti. Plus les choses, c'est l'été. Cette vidéo là, c'est l'été. Yes! Ah! Secondes. 3, 2, 1, stop. Excellent. Fin de cycle. Reprenons avec la suite sur une phase d'abdos. En position. Allongé. Le dos plaqué. Nous attaquons avec les petits abdos dans l'axe. Dans 3, 2, hop, c'est parti. Soufflez en montant, rappelez-vous, bas du dos est plaqué, sans cambrer. C'est-à-dire que ma main ne peut pas passer, que ce soit sur la descente ou sur la remontée, toujours ferme. Nombril aspiré, soufflez en montant. Le périnée engagé. Jusqu'au bout, je m'étouffe. Ok, ça va mieux. Allez, 5, 3, 2, 1, yes. La suite, c'est les battements. Vous alternez en envoyant jambe gauche, jambe droite, loin devant, sur la vitesse. C'est parti. Loin devant, loin devant, loin devant. Pourquoi pas les mains sur les fessiers. Du coup, comme ça, vous avez la tête posée. Là, vous êtes sur inversion, vous engagez encore plus les abdos. Ça ne veut pas dire que la tête posée, ça ne travaille pas. C'est juste que ça travaille plus là-dessus. Respiration régulière, 10 secondes. Trois, deux, un, stop. 10 secondes de pause. Le suivant, c'est la position U, en gainage. Mais pas le gainage classique. Gainage sur le dos. Yes, jambes tendues, bras tendus. Pourquoi pas une main derrière la tête pour soutenir. Décollez les omoplates autant que possible. Ça travaille fort sur toute la longueur des abdos. Mais c'est ça qui est bon. Allez, résistez. 15 secondes. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Si ça tire dans le bas du dos, pourquoi pas plier les genoux, d'accord? Tenez, tenez. Si vous êtes à l'aise, pourquoi pas descendre plus? 4, 3, 2, 1, stop. Yes. Fin du quatrième cycle. Il nous reste un tour complet de ces deux cycles pour conclure. Mais on sera pas mal. En place, encore une fois, debout. De manière à enchaîner la suite. Vous reprenez dans 10 secondes. Si vous voulez boire un coup, n'hésitez pas à le faire. Surtout qu'il fait plus de 30 degrés, là. Allez, la suite, c'est les squats. En position, c'est parti. Ça a déjà démarré. Vous connaissez le mouvement.
Vous pouvez accélérer. Vous pouvez aller vite. Quinze secondes. Yes! La suite, c'est les burpees. Vous rappelez, position où vous allongez, vous relevez, nous attaquons. C'est parti! Allez, jusqu'au bout. Vous descendez et vous vous relevez à votre rythme, 20 secondes. Avec la suite. Et ça a déjà commencé. Allez, c'est parti. Gérez votre effort. Jusqu'au bout, sans faiblir. Excellent. Yes. Bientôt terminé, c'est les deux dernières minutes d'effort. Plus de 2 minutes. Passage au sol. Pour la partie abdos. Allez, la suite. 3, 2, 1. C'est parti, à dos dans l'axe. Allez, souffle en montant, le bas du dos reste plaqué, périnée engagé, 10 secondes. Jusqu'au bout. Même s'il fait lourd, même s'il fait chaud, les abdos c'est plus facile là-dessus. Yes! Petit break avant de passer sur le deuxième exercice. Il nous reste 1 minute d'effort. Jusqu'au bout. Allez, les battements. Vous envoyez jambe droite, jambe gauche en alternant. Cherchez loin. Contractez fort. Très bien. La suite, c'est le dernier exo. Vous le faites bien, d'accord? Gainez, position U, jambes tendues, les bras tendus. Allez, tenez, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Pourquoi pas un seul bras tendu? Contractez fort. Sentez que ça picote sur la longueur, que la position est difficile à tenir, mais le bas du dos est fermement plaqué, d'accord? Jusqu'au bout. Allez, 10 secondes. Encore, tenez, tenez, tenez. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Excellent. Bravo à vous. Super. Malgré la lourdeur, malgré l'humidité, malgré la chaleur, malgré la difficulté de l'effort, ça, c'est fait et ce n'est plus à faire. Très bonne nouvelle. Cette vidéo se conclut. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des futures vidéos à travers des petites notifications pour être au top dans votre semaine à la maison et sans matériel. Encore une fois, bravo, je vous dis donc à très bientôt, en forme et avec le sourire. Salut !